Mondial Sport vous propose les maillots de la nouvelle saison 2020-2021 avec des prix défiants. Toute concurrence, un maillot coûte 9000 francs CFA. Donc voici les maillots disponibles dans les boutiques de Mondial Sport. Juventus domicile, Inter domicile, Liverpool extérieur, Barça domicile, Arsenal domicile, Liverpool domicile, PSG domicile et un maillot spécial Paris Saint-Germain. Pour commander, contactez le 77 059 99 84. Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport, Dom Ganidjaï, Warul Tid, Warul Ragal. On parle des Sénégalais en Europe, en Afrique, comme Aliou Badji, mais évolué Fletch Al-Ahli. Mais aussi, il y a des Sénégalais en Amérique du Sud, il y a des Sénégalais dans la première division argentine, qui est une division très très relevée avec les Boca Juniors, avec les River Plate, mais aussi avec Lanús. Donc Lanús, c'est une équipe avec un grand palmarès en Argentine. Donc Lanús a un Sénégalais de 20 ans qui vient de signer son premier contrat professionnel. Il a été formé ici au Sénégal, au Stade, donc au centre de formation Angelo Africa. Angelo Africa, donc vraiment, donc qui a formé Ousmane Ndong. Donc Ousmane Ndong qui a quitté son Dakar natal et parti pour l'Argentine. Vraiment, c'est pas évident quitter Sénégal fi dem Argentine avec la réalité sud-américaine. C'est pas évident, mais il a réussi à être un élément indispensable de l'équipe réserve. L'équipe réserve, donc, Toy Radia. Ensuite, Mora Nusinelko, 3 ans en équipe professionnelle. Donc, vraiment, le défenseur central a gagné une place dans la réserve dirigée par Rodrigo Acosta. Il a fini par être le capitaine, lors de l'émergence, Bissoun Politicien Edouard. Ses bonnes performances ont reçu l'approbation de la direction. Direction Miné, Boy B, Sénégalais B, Ndanana, Ousmane Ndong, Soune Seyret B, donc, signé le contrat jusqu'en décembre 2022. Et ça, c'est une belle récompense. C'est pour dire que, vraiment, Sénégal, on forme de très bons joueurs. Le centre Bob Angelo Africa, vraiment, c'est un très bon centre qui forme de très bons joueurs. Il y a des joueurs qui font des Gambiens et tout, des Sénégalais, qui vont peut-être signer le premier contrat en Argentine. Parce qu'ils ont un partenariat avec donc, l'Argentine. Donc, il y a un peu plus d'un an, Ousmane Ngom, donc, qui lui a raconté son expérience, a été vécu à plus de 6000 km de ses proches. Donc, vraiment, mon rêve est que le peuple argentin me connaisse. C'est ce que vous savez. Vous avez dit que il faut jouer. Moi, je suis Lanús, moi, Barcelone, Ousmane Ndong. Lolo, je suis content pour sa signature. Je suis content pour prouver à tout le monde que c'est un joueur capable d'être titulaire, de jouer le très haut niveau en Argentine et pourquoi pas dans le futur en Europe. Donc, nous avons aussi Sénégalais, équipe nationale olympique, comme il a déjà 20 ans, équipe nationale olympique, Joseph Koto, moi, j'ai chance. Parce que aussi, il y a des joueurs qui évoluent en Europe, mais Ousmane Ndong, c'est un bon défenseur. Il faut qu'il y ait une équipe nationale olympique du Sénégal. Parce que ce sont des Sénégalais. Ils sont fiers de porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Passé par le centre Angelo Africa et Tenguer FC, Ousmane Ndong est actuellement le seul Sénégalais licencié en première division argentine. Donc, là aussi, ça, c'est un exploit. Là aussi, c'est une fierté. Parce que l'Amérique du Sud, c'est une destination pour Sénégalais. Mais lui, il a réussi avec le partenariat Lanús et Angelo Africa, donc vraiment c'est le très haut niveau. Donc nous avons quand même, donc nous réussir comme son idole, César Ramos, parce que nous avons Ramos, papa Ramos, parce qu'il a la hargne, donc d'être Kani Pachel Ngombri, c'est un défenseur physique et technique aussi, donc comme nous avons dit cette vidéo, donc il peut réussir en Argentine et pourquoi pas porter un jour le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Nous avons dit que moi, Ousmane Ndong, un futur international Sénégalais, donc championnat argentin, faut que suivre comme le Sénégalais, Grégoire Ligue n'a pas les informations du championnat argentin. Donc, Gaïne Ndiaye, Warul Tid, Warul Ragal, Mom, Warna Dayek, Nyom, Carlos Tevez, Tevez Falane, Carlos Tevez, il est donc au Boca Junior. Donc, Mom, Warna Mene, Dayek, Carlos Tevez, Djem Kouté, mais ça ne sera pas évident parce que Lapache est toujours futé, Carlos Tevez. Donc, Gaïne Ndiaye, Warul Tid, Warul Ragal, Ousmane Ndong. Borom Argentine.